Je m'appelle Abigail, j'ai 23 ans, je suis basketteuse professionnelle en première division féminine en France et j'évolue au club de Tarbes et je suis aussi internationale française. Effectivement, j'organise un camp du 22 juin au 24 juin 2018, donc à Thiès, la ville d'où sont originaires mes parents. Donc ce sera un thème exclusivement féminin, donc pour des filles âgées de 12 ans à 17 ans et on parlera confiance en soi et estime de soi parce que c'est un thème qui regroupe à la fois l'aspect éducatif et l'aspect sportif. Donc on va vraiment mêler les deux et parler autour de différentes problématiques, quoi. Oui, c'est ma première édition, c'est la première fois que j'organise un camp donc, au Sénégal, donc je suis contente. Du 22 au 24 juin, donc la semaine prochaine, Inch'Allah. En fait, donc les filles ont été recrutées dans différents clubs de la ville de Thiès et elles s'entraînent depuis 3 mois déjà, donc tous les dimanches. Je les ai vues ce matin et donc voilà, la sélection a été faite et les filles sont déjà dans le projet. Bah, tout simplement parce que je suis d'origine sénégalaise, donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir de contribuer à faire quelque chose dans mon pays d'origine. En France, je suis déjà à peu près, on va dire, connue dans le milieu du basket. Au Sénégal, ce n'était pas le cas, donc j'avais envie de venir et apporter aussi quelque chose au basket sénégalais, quoi. Et notamment avec les jeunes, donc, auxquels je m'identifie parce que, de par mon âge et aussi parce que je suis passée par là où elles sont passées, quoi. À vrai dire, je ne connais pas trop le championnat national, mais plutôt le championnat... plutôt l'équipe nationale, pardon, parce que j'ai côtoyé différentes joueuses qui jouent, notamment ma Marissi Diop, avec qui j'ai été championne de France. On a été coéquipières ensemble l'an passé. J'ai joué, je connais aussi Fatou Dieng, qui est ma cousine. Donc, je suis un petit peu le basket quand même sénégalais, que ce soit féminin et masculin, et je les encourage à chaque fois qu'il y a une compétition continentale.